Je disais, on n'est pas là pour rigoler. Putain, j'ai lancé le stream. J'ai mis mes affaires. Et j'ai cliqué sur le bouton gauche de la souris. Ah. Et ça a fermé le stream. C'est vraiment... Waouh, il fallait que ça arrive maintenant. L'important... c'est qu'on y soit. Hop. J'aurais peut-être dû en profiter. C'était peut-être une des dernières fois que j'entends cette douce musique de FF9. Bon. Toujours est-il que... nous devons... déconnecté, erreur inattendue, oui, c'est vrai. Erreur inattendue, erreur de niveau, le stream. Le stream s'est fermé. Bon. Eh ben, on est pas mal. Pourquoi pas. Bon. Je vais en profiter, moi. Je vais en profiter. Pour configurer mon nouveau PC. Ma nouvelle Surface Pro qui est arrivée aujourd'hui. Bon, il y a Discord. Ok, c'est bien. Appuyant longuement sur le bouton du stylet, je peux initier une capture d'écran. Bienvenue dans Microsoft Edge, bonjour. Puis-je avoir un vrai... Oh là là, oui, continuez si tu veux. N'est pas autorisé, dégage. Continuer sans ces données, ne pas autoriser. Hop. On est content. Firefox. Voilà. Et pourquoi tu veux que je télécharge Opera? Je t'ai pas demandé de télécharger Opera, je t'ai demandé de télécharger Firefox. Sois gentil, s'il te plaît. Et fais ce que je te demande. Je n'ai pas besoin de Edge. Voilà. Sois gentil. Sois efficace. Sois efficient. Entrée manuscrite dans ces applications. Ok, je sais même pas ce que c'est le N là. N, bon, W c'est Word, P c'est PowerPoint, X c'est Excel, évidemment. Compris. Allez, Firefox. Épingler Firefox à la barre des tâches. Navigateur par défaut et planté depuis l'ancien navigateur si tu veux. Porte tout. Passer d'un ordinateur portable à un téléphone et vice versa, non. Je n'ai pas Firefox sur mes téléphones portables. Vous nous aider à créer un web meilleur. C'est bien gentil maintenant. Et la mobilité. Alors. Il s'appelle le... C'est
quoi la version d'OBS que j'ai là? Parce que c'est pas du Streamlabs aussi? Là, je suis en train de mettre en place un set Stream Elements. Si je veux performer sur cette bablette connectée avec Twitch, s'il vous plaît. Alors, est-ce que ça marche comme ça? C'est pas le bon mot de passe. Bien. La bablette. Prendre une bablette avec un i5 n'était peut-être pas le truc le plus intelligent à faire. C'est vrai que peut-être Stream Elements, je pourrais l'utiliser juste comme ça, le dashboard en ligne. Pas besoin d'un chatbot, frère. Alors. En train de me dire que j'ai 0 followers. Même moi, je sais que c'est faux. J'en ai 30. Ah, parce que il compte novembre. Et novembre, alors? N'importe quoi. Bon. Monsieur le navigateur. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Pourquoi t'es pas en train de... Ah, what? Merci. Oula, par contre, s'il choisit quand il se met à recharger, c'est pas terrible, ça, hein. La positive confidentialité de... J'aimerais bien juste télécharger l'appli C'est quoi, c'est Control Alt? Stream Elements Download S.live, c'est le nom du truc. Ah! J'avais déjà un truc de Stream Elements. Mais c'est de la folie. Pourquoi je chauffe comme ça ma Surface Pro?
Mais il faut se calmer quand même. Checking for locked phone. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pris ça? Oh là là, mais je... Enfin, c'est pas si pourri que ça, les i5, quand même. C'est pas possible que ce soit... de la sous-performance à ce point. Damn. Checking for locked files, mais on s'en fout de ça. Oh! C'est quoi ça encore? Ça va me plaire, ça. Bon. Au revoir. Faut arrêter d'être un clown. Donc on va pas directement dans l'arbre. On n'a qu'à y arriver par les airs. Avant d'avoir affronté du monde, j'ai l'impression. Pourquoi mais si elle a... D'accord. Ah, j'ai oublié de la faire léviter. Je ne la fais plus léviter. Sur quoi alors? Tout le monde sauf Kaka en train de dormir, évidemment. C'est sérieux tout ça. Baskerville. Pourquoi Alt F4, ça fait même pas Alt F4? Ah, c'est parce que il faut. Retirer la fonction la touche F1. What? Navarro en transe, ok, si tu veux. Bouffe le canavaro. Ah. Ah, ils sont moins forts que ceux du continent oublié, ceux-là. Go niveau 60. On n'a qu'à y arriver par les airs. Ça, il faut me l'apprendre, ça, par contre. C'est Windows 11 qui fait ça? À tous les coups, c'est Windows 11. Qu'est-ce qui m'a pris aussi de prendre un truc qui tourne sur Windows 11? Sur Windows 11! Ferme ça! Ferme ça, là! Je vois bien que ça marche pas, ta merde! Allez, allez! 20 tâches! Ah bah oui, hein! Est-ce qu'il va falloir que je... Mais il va falloir m'expliquer ça quand même, hein.
Choose a folder, je peux même pas choose a folder. Ah voilà, c'est Program Files. Est-ce que je dois l'installer autre part que dans Program Files? Pourquoi ça prend 20 ans à ouvrir l'explorateur de fichiers? Ah ouais! Ah ouais! Ah! C'est bon, là tu fais plus le check for locked files? Alors là, s'il y a des fonctionnalités de base que je peux pas utiliser sur ma tablette qui même avec les réductions coûte quand même 1000 euros, après j'ai des réductions et tout, mais va quand même aller falloir se faire enculer, non? Allez, tu installes et tu fais ça un peu plus vite que ça quand même. Fais ça quand même un peu plus vite que ça. Bon. Ah ouais, non, ça va pas bien, ça. Ouais, tu fais ça un peu mieux, merci. Voilà. Oh putain. Elle est supposée être neuve, cette tablette. Je vais pas être patient. Je vais pas du tout être patient avec. Supposé être genre le top du top. Genre faut quand même aller se faire enculer à ce moment-là. Hop. Ignorer la version. Hop. Soyons sérieux. Soyons sérieux parce que ça va me plaire, ça. Déjà en train de chauffer de ouf. Comment c'est possible qu'elle chauffe comme ça alors que c'est littéralement la première utilisation? Je rappelle que j'ai un délai de rétractation de 14 jours. Si la première fois que j'utilise la tablette, elle est comme ça, j'ai des questions. J'ai de sérieuses questions. J'aurais dû prendre un MacBook Air. Hein. J'aurais vraiment dû prendre un MacBook Air, putain de ça. Ton test, c'est bon. Oh lolo. Putain. C'est bon. T'as fini. Amusé.
mets là ou pas? Bah alors. Le micro, on a pas de réponse à couper le micro, donc je vais faire ça. Ok, qu'est-ce qui va me plaire ce truc alors? Oh lolo. Tu veux pas genre. Pourquoi il est. Pourquoi il veut pas Comment je fais pour docker ça, bordel? C'est mal foutu ça. Je comprends rien moi. J'ose espérer que cela est suffisant. Ah, ça, c'est pas une bonne première impression hein, qu'elle laisse cette tablette. C'est vraiment pas une bonne première impression, ça. Bouillante, là. Elle est vraiment bouillante. J'ai eu du mal à installer ne serait-ce qu'une application. Le tracking du stylet sur l'écran a pas l'air terrible. Ah ouais. Falloir que je fasse un test plus approfondi, mais là, ah ouais. Ah, c'est grave. En disant une tablette que tout le monde s'arrache, que tout le monde veut. Ouais. Être prêt psychologiquement pour la fin. Ah mais. Ça, tu vois un truc de 2015? Qu'est-ce que j'ai un truc tous c'est à partir d'un an et tout ça. Oh, oh.
Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, moi, c'est le premier jour. Et c'est pas une reconditionnée. C'est littéralement un nouveau truc. Qu'est-ce qui se passe? C'est le setup? Qu'est-ce qu'il aime pas? Bon, j'en sais rien. C'est pas grave. De toute façon, on a une aventure à terminer. C'est plus important que ça. Peut-être pas quand même. On est là pour ça. Allez, on y va! J'espère que tu as bien upgradé le canon et le blindage. Il arrive! Hein? Ah, c'est bleu. C'est Lindblom. Waouh, l'Écosse. Que tous les vaisseaux ouvrent une route pour l'invincible. Ou alors on fait un passage juste pour eux. Oncle Sid? Comment? Je ne lui ai rien dit. Et toute la flotte de Lindblom? C'est encore un coup du vieux Bac. Finalement, je l'aime bien. Allez, on va leur filer un coup de main. Général, on est prendre le navire? Ne dites pas de bêtises, vous voulez tuer votre supérieur? C'est l'occasion pour vous de nous étonner et de redorer le blason des Brutus. Comme l'a fait Leviash? Bien qu'elle est venue juste parce qu'elle s'inquiétait pour le capitaine Leviash. Vous avez dit quelque chose? C'est le rose rouge! Beat? Quoi? T'es tombé sur une sacrée nana? Ça ne te regarde pas! La vierge, que signifie? Allez, on y va! Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce boss? On va leur faire un peu mieux que ça, hein. Allez, allez! Ça lui fait quoi, Cyclone? Ah, hein. Vague de fond! Oui, oui, oui! Ça fait du bien à Zidane! Ça le soigne!
Ah, c'est bien mieux ça. Bah, très bien. Bravo la contre-attaque. Ok. Oh là là, vraiment Cannavaro. Dan, vraiment, il est en train de heal tout seul, très fort, très fort. Enfin, tu peux attaquer, Cannavaro. Je dirais que ça fait une éternité que j'ai lancé... je t'ai demandé de lancer Mistral. Ah, voilà, c'est ça que j'aime voir. Que tu peux bouffer ça. Mais ah, j'aurais pu voler, mais bon. Vacuum. Vacuum, ça soigne Zidane. Tu peux bouffer cette merde? Impossible d'avaler, miam! Impossible d'avaler, miam! Ok. Ça avance! C'est rare de voir des dégâts effectués. Ah oui, vraiment. Des dégâts effectués sur Zidane. Surtout par ce boss tokaresque. Ah. Est-ce que ça va soigner Zidane ou... On va être sur quoi, là, cette fois-ci? Ah non, ça va lui faire du mal. Bah, comme d'hab, hein. Mais si, tu soignes Cannavaro. Caca, c'est juste qu'il arrive jamais à lui faire du mal tout court. Bonheur. Ça vous avait manqué. À chaque fois. Worcester. Mais que toi qui as besoin de... Allez, tente une percée et puis voilà. Alors je sais pas si j'ai fait stock avec Kaka. Mais bon. On va juste tenter un peu. Oh. Oula, attention avec ça. Oh là là, Tokaresque. C'est bon, elle va juste sortir une potion et se débarrasser de son attaque de merde là. Attaque élémentaire terre, attaque élémentaire feu. Ça marche ou pas ta merde? Non. Ah, ça a une chance sur 3 hein. Oula, oh. On y est. C'est un bon 9999 des familles.
Avec le fond, bon, c'est l'heure de soigner Zidane, hein. Il est déjà soigné, pourquoi tu lui fais cet honneur? Bah, Mother, du coup, hein. Mother, et puis à... Messi, tu... Enfin, tu prépares la régénération de magie de Cannavaro. Kaka, tu fais stock. Et ici, là, tu lui donnes un éther à Cannavaro, merci. Miam! Cyclone! Elle est pour toi! C'est encore. Attends, c'est encore un truc qui. C'est encore un truc qui soigne Zidane? Mais il est soigné par toutes les magies, ma parole! Alors c'est juste vraiment que son auto-heal est vraiment aussi puissant que ça. Non mais Zidane, là, il est pété, hein! En plus, il est à deux doigts d'atteindre la transe, là! Oh là 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 là! Stock là. Kaka. Non, 161, faut arrêter là. Prends ta retraite. Non là, c'est grave. Quand une bistrette, j'aurais peut-être dû lui donner une meilleure chose que ça. Hein. À Cannavaro. Bon, par contre, tu crèves ou... T'attends quoi pour crever? C'est bon, t'as réussi à faire des dégâts à Zidane. Oh, je suis trop content pour toi. Maintenant, tu vas avoir le plaisir de te prendre intrigue dans la gueule. C'est vrai que Zidane, moi, je fais que d'utiliser ses attaques. J'oublie à chaque fois qu'il a ses capacités de boulder. Allez, au revoir. C'est bon. T'as Zidane, il a même pas eu à utiliser sa transe. C'est bon. Allez, boum! Ah oui, bye bye, hein! À un moment donné, faut arrêter, hein! À un moment donné, faut prendre sa retraite, hein! Faut prendre sa retraite, t'as passé tout le combat à soigner Zidane! Tout le combat! Ah ouais, prends ta retraite, là, hein! Tout le combat! On peut vraiment sortir par là sans risque, Cannavaro? T'inquiète pas, je suis entré par là! Mais ça ressemble pas vraiment à une sortie. Pour revenir, il y a la même chose quelque part. Quand je suis allé sur ce truc magique, je me suis retrouvé dans le vaisseau, miam! Je vois, ça doit être la même chose que sur Terra. On est où, là? Hein? Zidane, qu'est-ce qui se passe? Qui m'a appelé? Personne. Pourquoi? C'est bizarre. Je suis sûr d'avoir entendu quelqu'un. Tu entends des voix, maintenant? J'ai pas rêvé, pourtant. Je l'ai entendu. Je l'entends encore, d'ailleurs. Je n'entends rien, mais... Zidane, m'entends-tu? Cette voix, Garland? Je m'adresse qu'à toi. Parle, Garland. Où on est? Vous êtes à Memoria, le monde du souvenir. Le monde du souvenir? Oui, c'est
un monde composé de vos souvenirs. Ici, vous pourrez voir la vérité de toutes choses. Vous feriez bien d'avancer si vous voulez la connaître. Oh, Wea, je savais pas que tu avais dragué des mineurs. On va vraiment tout comprendre, tout apprendre sur l'un les uns les autres. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il y a, Zidane? Vous avez rien entendu? Évidemment. Garland vient de me parler. On serait dans un endroit construit avec nos souvenirs. C'est tout ce que je sais pour le moment. De toute façon, il faut qu'on avance. Bah, on était parti. Allez, on change. CR7. Remplace Messi. La bulle, c'est un mug. Juste pour pas se coltiner le dragon bidon là. On va sauvegarder un petit coup. Moria, on va encore sync avec les gens. Vraiment, je n'échapperai jamais au sync. Pourquoi elle est chaude comme ça, ma tablette? Vraiment, je vais péter un câble avec cette merde. Vraiment, je vais finir par activer mon délai de rétractation. Il y a 14 jours. Jusqu'à la ville voisine s'il le faut. La tour. Ah, maintenant on s'intéresse au tarot. Oh, maintenant les random encounters, c'est la musique des boss. Par contre, dégage la souris de moi. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait, ça te ressemble, Wea. Ça a la même gueule que toi. Oui, voilà, les pauvres petits rats. Nous sommes l'élite des Guardians. Agenouillez-vous devant la force. Ok. Allez, oh c'est mignon. Oh c'est mignon. Ça marche ça? Pas terrible hein, cette attaque coffret là. Oh, 470, c'est mignon, c'est vraiment franchement mignon. C'est bien, t'as infligé au final 20 points de dégâts. Oh, Kaka il a mal. Bon, immunisé au mutisme, le CR7, contente-toi de killer. Aïe! Pourquoi un shaker?
Ah, c'est pas mal, hein, les dégâts. Ouh, pas mal, pas mal. Rochester, c'est pour qui? Kaka, t'es sensible au Rochester? Raté. Bravo, bien joué. L'élite des Guardians, là. Donne quoi un cyclone? T'arrives à scanner cette merde ou quoi? Non, vraiment pas. Mais c'est qu'on a attaqué. T'as donné toute ta vie dans cette attaque de con. Ah, ne refais plus jamais ça, Kaka. Boomerang. Ça protège des attaques magiques. Ok. Heureusement que j'ai pas que ça. Ah, ça protège bien, hein. Mais ça protège pas des attaques physiques. Attention! J'ai presque buté Kaka. C'est quand la dernière fois qu'on a vu un des nôtres se faire buter, même? Ça te fait dater quand même, non? J'ai comme l'impression. Que CR7 est en danger quand même, non? Putain. 746. Ah bah tiens. Ah. Oula. Je crois que tu es dans la merde là. Ce serait très marrant si Cannavaro ou Zidane butent maintenant ce boss là. Ah! En un coup! Ah! Mais Cannavaro est invincible! Bon, on est parti! Glacier! Glacier! Rochester! Rochester!
tout ça pour ça. Bang. Ah. Et c'est pas fini. Aïe 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 aïe
s'acharne sur Zidane, à ce que je vois. Que Zidane! Ah, ça c'est une Hagra, ça, hein! Ok, bon, bah maintenant, c'est plus la peine de soigner Zidane. Quand à tous les coups, il recommence ses conneries, celui-là. Souffle toxique. Bon, Zidane, encore une fois. Ah non, c'est Kaka cette fois-ci qui va se faire. Il va se faire Hagar, là. C'est vrai, pourquoi je m'emmerde à soigner Zidane? De toute façon, il se soigne lui-même. Une gâchette de MP. Une gâchette de MP. Voilà ce que c'est. Alors. Ok, ça fait des dégâts. Bise. Raté. Pas ça qu'il faut. Explose avec un choc total. Lui aussi, il a invincible. Bon, lui, par contre, il aura vraiment besoin d'un soin. Allez, merci, Cannavaro. Il était particulièrement coriace, celui-là. J'espère qu'on va pas me forcer à jouer aux cartes. Je suis le célèbre fantôme du grand maître. Méfiez-vous. Je n'ai presque jamais été vaincu, sachez-le. Il va vraiment falloir faire ça. Je suis prêt, je sais pas. Let's go. C'est pas du tout ce que j'aurais dû faire, mais ok. L'idéal, ce serait de prendre quelqu'un qui peut... Bon, du tout ça. C'est de la merde ce que je fais. Oh là là. Quoi, c'est important la carte fétiche. Allez, on y va, on continue. Ok. Quick.
J'aime pas commencer. Jamais. Est-ce que c'est vraiment le moment, vraiment? Parle. C'est bon? Allez, rends-moi mon scorpion et finito. Non. C'est tout? Quoi? Hein? Hé, c'est dangereux! Où vous voulez avec cette tempête? Faites pas ça, vous allez couler! Ah, c'est... l'enfance de CR7. CR7, regarde! Cette gamine sur... son bateau? Hé! Comment ça se fait que Zidane a des souvenirs de ça? C'est ça! C'est une illusion! J'ai pas de souvenirs de ce genre. Désolé, fais pas attention. Je devrais être la seule à pouvoir les voir. Pourquoi Zidane les a-t-il vus? Il était là sur l'invincible lorsque c'est arrivé. Zidane! Qu'est-ce qu'il y a, CR7? Zidane, ce n'est pas une illusion. Hein? Ce serait... CR7? Mais, pourquoi je le vois? T'es pas la seule à avoir ce souvenir. Je ne sais pas. Garland, qu'est-ce que ça veut dire? Hé, hey, tu m'entends? Je redoutais les chimères de Gérard. Quand, après 500 ans, j'ai découvert la retraite des descendants des avocats, j'ai décidé d'éliminer mes angoisses futures. Ok. L'œil. Cet œil, il était au-dessus de la mer pendant la tempête. Zidane, m'entends-tu? Zidane, tu vois tes souvenirs. Tu vois tes souvenirs. Pas ceux de Grenade. Qu'est-ce que tu racontes? Je me souviens pas d'une tempête. Tu n'as pas encore compris. Tu le feras bientôt. Tu le feras? Comment ça? Tu veux dire que j'aurai aussi ces souvenirs? Réponds, Garland! La réponse n'a pas besoin d'être rapide. Quand tu auras tout vu, tu comprendras. Quand Hera était ton cœur,
Une incroyable puissance a été invoquée, mais ceux qui l'appelèrent n'étaient pas prêts à l'utiliser. Cette puissance les effraya, et ils l'enfermèrent dans 4 perles pour l'éternité. Les fameuses 4 perles là qu'on a récupérées simultanément. Allez, c'est parti! C'est quoi cette fois-ci? Encore des Guardians? Je vais détruire mes élites. Moi, Tiamat, je vous tue d'un coup! Déjà, on va voir ce qu'en pense Mother. C'est raté. Et d'ailleurs, t'as soigné Zidane. GG, well played. Donne-toi un élixir. Aspi force. Ok. Donc quoi ton truc con là? C'est un dragon, donc ça doit être efficace la glace contre lui. Encore ? Ça donne quoi? Efficace, efficace. Là, t'aimes bien Cyclone apparemment, tu penses que c'est quelque chose de puissant? Ouh, l'MP. Bravo! Non, bravo, c'est efficace tout ça. Ça a l'air de bien marcher ton truc. Oh, mais dis donc, c'est qu'il est farceur! Allez, Cannavaro! Ça marche, Shaker, contre lui? Jarna Claw. Ok. Je sais pas si... Non, j'ai pas stock ici. Ça semble pas. Je soigne quand même caca. Chla. Shaker un peu. Ça marche. J'étais pas en train de l'éviter, à ce que je sache. Quoi ta merde? Ouais, c'est déjà mieux quand même que Cyclone. Hein. Aspi magie. Aspi la magie si tu veux. Ça a pas l'air d'avoir trop marché ta merde. Hein. Chiasse. Là. Ta merde. Kaka, je vais vraiment voir si je peux pas lui filer de quoi se soigner parce que hop, après je vais faire ce stock. Turbo injection. Oulo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 l. Eh oui. Quoi? Quoi? Par contre, ok. D'accord. Je vais quand même renaître CR7 parce que là on va quand même pas rigoler. Merci.
Kaka, soigne-toi. C'est pas mal ça, franchement. Kaka, stop. CR7, soigne-toi. Zidane. Moi, ça, c'est vraiment une attaque de con, ça. Heureusement que j'avais des invincibles, hein. Ah ouais. Imagine, il me refait ça. Annélation. Excuse-moi. Ah, il fait ça maintenant? Ouais, faut quand même aller se faire un peu enculer, non? Faut quand même un peu aller se faire enculer, non? Ok, très bien. Rigoler. Je ne pas l'invoquer. Tant pis pour stock, hein, mais là on n'a pas le temps. Mother. Ça pourrait être pas mal ça. Je sais pas si ça va nous protéger de son truc de con là. Marche son truc parfois. 0 MP, 0 MP. Avoir une attaque physique, ce que ça lui fait. Sérieux? Mute, hein, de retour. Hein. Je vois qu'on a besoin de toi, mon frère. Ah, maintenant, fini de rigoler. On a un mauvais joueur. C'est
de la merde ton invocation, hein. Aspi magie. Faut vraiment pas l'attaquer avec des attaques physiques en fait. Oh, c'est quoi ça? Allez, remène-le à la vie. On en aura besoin quand même. Ah ouais, merci de le ramener à la vie avec un peu de... Speed Force. Speed Force. Ça marche jamais ton truc. Marche ton truc et parfois. Et ça, ça te donne quoi? Ça soigne? Non, ça fait juste de la merde. Ok. Allez, c'est parti! Putain, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est avec son Aspi Force qui fait tout ça? Ceci, tu fais ça? Fais attention, moi aussi je peux faire des trucs comme ça. Moi aussi je peux sortir des... comme ça, mon chapeau. Là. Ça donne quoi, Brasi, avec lui? Midoni, salut! C'est un peu la merde là. Ce boss là il est en train de faire je sais pas ce qu'il est en train de faire. Voilà, don't like it. Il est en train de... Il est en train de me pousser dans mes derniers retranchements là. Là je vais vraiment finir par sortir le cheat là. S'il fait le kéké comme ça là. Allez vas-y, vas-y que je te... Vraiment falloir que je comprenne hein, ça. J'ai bien compris que qu'il affaiblit, qu'il absorbe la puissance magique de caca pour améliorer la sienne. Ok. Mais maintenant, dès que je lui fais une attaque physique, il fait son souffle à la con là. À un moment donné, Aspi Force. Qu'est-ce que c'est que ce boss? Alors, vraiment. Là, c'est un boss de con. Hein. Il va faire son Jarnaclo là, non? Parce que là, maintenant, CR7, qu'est-ce qu'elle peut faire comme, comme attaque? ZQ2? Bah oui, parce que Zidane et Cannavaro, ils ont été soufflés hors du combat. Pas compris. Sûrement parce que voilà, là, il va faire 600 points de dégâts là. 7000, voilà. Pardon. 7000. Gratis. Alors là... Franchement... Pas mal d'idées, hein. Parce que là, voilà. Bon, je vais tenter un truc. Hein. Paf. Là, il va faire un contre.
Il va sortir... Non. Il va pas sortir caca du combat. Jarnaclo. Ah, c'est sur CR7 cette fois-ci. Oh. Ah, et lui, il va me plaire, lui, hein. Je peux essayer les invocations de CR7, mais même ça, je sais même pas si ça va faire grand-chose. Invocation. Shiva. J'ai jamais utilisé Shiva, il me semble. Ouais, ça fait rien du tout. Nullissime. Nullissime. Goul MP. Alors moi, à ce stade, je vais finir par sortir les cheats. Hein. Alors, combien il va faire de dégâts, là, son glacier? C'est pas un boss optionnel? Non. Ah! Ça a même pas fait de dégâts! Ah, ok. Non, très bien. Ok, très bien. Très bien, d'accord. Très bien, d'accord. Ok, bye. Ok. Bien, il fait, les gars, lui. On rigole. Ok, très bien. Non, mais très bien. À un moment donné, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Voilà. À un moment donné, faut arrêter de se foutre de la gueule. Merci, au revoir. Pas compris. Bon. Ah ouais, ça c'était un boss de con parmi les boss de con, ça. Hein. Wouah. Alors ça, fallait l'inventer, ça. Sortir Zidane et Cannavaro du combat. Et absorber Kaka jusqu'à ce qu'il puisse même plus faire de dégâts. Alors ouais, ça fallait l'inventer. Kakam du match, c'est ça. Ouais, bon, on a eu un peu le droit à l'aide de l'arbitre. On a un peu joué avec les règles. Attends. Regarde tout ça, invincible. Bah tiens, je vais donner ça à... Comment ça s'appelle? Autopotion. Autolévite. T'as pas... comment ça s'appelle? T'as pas un truc qui te permet d'avoir auto-récup? Qui a auto-récup là? Zidane, il a auto-récup. Amulette Moog. Ah tiens, amulette Moog. Ah oui. Ah, ruban, c'est le ruban de... Bien sûr. Ok, non. D'accord, c'était l'invocation de Messi. Comment je lui avais appris... auto-récup à Zidane? C'était avec quel... objet? Je sais même plus. Bon, bien. Ok. Ah mais il peut utiliser auto-récup.
Mais attends, mais arrête d'utiliser ces trucs de merde. Mais immédiatement auto-récup. Mais t'es fou, toi. Mais t'as vrillé, toi, caca. Pourquoi t'as pas auto-récup? C'est juste Cannavaro, et d'ailleurs Cannavaro aurait bien besoin d'auto-récup. Cannavaro n'a pas auto-récup. Pouf! Ah, c'est aussi moins efficace l'éther hors des combats. Ok. Très bien. Ça, c'est vraiment les ruines de Mandarin & Co. C'est quoi ce roseuil? Ah bah, ce roseuil... Je pense que CR7 sait ce que c'est, ce roseuil. Je pense qu'on sait ce que c'est. C'est... les deux lunes. Enfin, pas tout à fait. Mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. C'est Hera. Voici Terra, qui cherche à s'en emparer. C'était il y a 5000 ans. La vieille étoile qui était Terra venait d'en découvrir une nouvelle et se préparait à en prendre possession. Comment ça, une étoile? Mais Hera était habitée. C'est comme ça que tout a commencé. C'est ça. Je l'ai vu à œil vert. Œil vert, genre œil vert? Attends, what? C'est un œil rouge? Je me demande si ça s'appelle œil vert dans les localisations aussi. Deux secondes. Hop. Ma tablette toujours en train de chauffer. Putain. Je viens de recevoir ma Surface Pro. Je suis en train de... de considérer le... d'invoquer le délai de rétractation parce que... là, la Surface Pro est en train de faire n'importe quoi. C'est la première fois que j'utilise. Et pourtant, elle est même pas reconditionnée. Alors là, vraiment, elle est en train de chauffer comme pas possible. Elle a eu du mal à installer OBS. Vraiment, je suis en train de péter un câble. La vie sur Terra était sur le point de disparaître. Il n'y avait pas d'autre solution. Il fallait détruire la civilisation sur Hera et forcer la fusion. Mais la vieille Terra n'avait plus assez de force pour tout assimiler. J'ai alors construit l'IFA pour modifier lentement le cours des âmes. Toi, derrière tout ce bordel, Garland, t'as eu ce que tu méritais. C'est quoi Ah, il y a un œil de Hera comme il y a un œil de Terra. Genre l'œil d'Hera, on avait vu... Tante. On sauvegarde aussi. Après ce boss de con, là. J'ai tout intérêt à sauvegarder. Cannavaro. C'est la mer, les poissons, ils ont l'air bons, miam. Qu'est-ce que tu fais, Cannavaro? Il y a plein de poissons appétissants, miam. J'ai du mal à respirer. J'arrive plus à respirer. C'est parce que tu crois être dans l'eau. Je sens rien, moi. C'est pas la mer, miam! C'est vrai! Je peux respirer maintenant! Mais... je vois plus les poissons! Le téléviseur s'éteindra dans 58 secondes! Annulez, s'il vous plaît. J'étais en train de regarder des choses sur mon téléviseur, tu vois. Hera aurait été recouverte d'eau. Comment tu le sais? J'en sais rien. Mais c'est dans les souvenirs que j'ai de cette planète. Mais c'était bien avant ma naissance. Je suis né sur Terra et je me souviens d'une planète inconnue.
Oh, si, je sais qu'avant, il y avait plein d'eau sur Hera. Il me semble le savoir aussi. Est-ce pareil pour vous? Ça voudrait dire qu'à l'origine, nous provenions de la même source? Je comprends plus rien. Quoi? Les 8 héros sont nés sur Terra ou quoi? Ah yeah, c'est reparti, encore un boss de con là. Ça va être quoi cette fois-ci? Ok, c'est Branett. Pour le chaos aquatique, Cariatide, je vous laisserai pas faire. Mais c'est Grand Bleu! C'est Grand Bleu dans Caméo! Tétanie. Tétanie pour tout le monde? Ah non, seulement pour Canavaro. Comment ça? Ça guérit pas tétanie, ça? Ok, très bien. Tétanie pour qui? Tu fais chier! Aquaball! Oui, oui, oui. Oh, merci! Il y a tout qu'il soigne, Zidane. C'est fou. Allez, Canavaro. Non, merde, pas ça. Je vais faire Mother. Oh là là, Tocarisme. Tocarisme. Oh! 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 Bon, à moins que tu n'absorbes ma magie, d'équerre. Pour qui ça? Pour qui? Ok. Bah, ça n'a pas marché. Tétanie, pour qui? Pour qui, pour qui, pour qui? Pour CR7. Ok. Équerre. D'accord. Ah, c'est bon. CR7 is back. Tétanie pour qui? Pour Canavaro, ok, très bien. Ah non, je sais que c'est comme ça qu'on s'en débarrasse. Non, toi, mon ami, tu me débarrasses de cette merde. Comment ça, remède raté, espèce de dessin. H2OX, tiens, ça prend ça. Allez, c'est pour tout le monde. Ça a soigné Zidane, bien évidemment. Ah bah oui, trans pour CR7. Ferry. Let's go. Mother, s'il te plaît. Il est plus que temps. Des guerres, c'est pour qui? C'est pour qui? Bah d'accord, hein. Zozo X. Ah!
Allez, allez. C'est pas exactement ce que ça change, féerie, plutôt que invocation. J'ai remarqué que là, l'invocation, elle touchait tous les ennemis. Donc, c'est-à-dire le boss plus ses deux tentacules, là. Mais c'est ça qui différencie féerie et invocation, vraiment. Oh, putain. Oh là, ça, c'est pas bon. Hein? Ça a rien fait, son truc de merde. What? Équerre, ok. Ok, si tu veux, moi j'ai juste un lasik à utiliser, puis nito quoi. Compte, Cannavaro et la gentillesse d'utiliser Mistral. Okay. Lasik. Soigne-toi. Pour lui aussi. Et Foudre X. Fatima. Ah oui, en fait, d'accord, il utilise... Bad Fairy, ça utilise... Bahamut jusqu'à la fin ou quoi? C'est quoi ça? Ah, bah, c'est trop tard pour Cannavaro. Mais Cannavaro, c'est vrai, peut utiliser son invincibilité. Ouais, j'ai l'impression de jouer à Yu-Gi-Oh! Et d'expliquer tout ce qui est en train de se passer, là. J'ai l'impression d'être un commentateur, là. Pauvre tentacule. Là, la tentacule a bien morflé. Gangrène. Vraiment. Vraiment. Mais tu n'as pas de pied. Non, non. Ok. Allez, viens dégommer cette merde. Bonne année, grand-mère. Ah, vraiment. Alors, au revoir. Bon, lui, il est quand même moins bullshit que celui juste avant. Hein. Lui, il s'est laissé avoir comme un gentilhomme. Ah vraiment, à chaque fois Cannavaro morfle. Ah oui. Tu me retapes pas tout ça, miam. Là, le temps, il est arrêté, c'est ça? Bon. On n'a pas le temps, frère. Crève un peu et... D'abord, crève et ensuite, on verra. Voilà ma habilité pour sauver. Crève. Fais pas chier, le monde. D'accord? Merci. Aucun respect, aucun respect. Putain, merde. Une tente, ça ne ressuscite pas CR7. Lui qui passe son temps à... Pourtant d'habitude à camper sur le point de pénalty. Oh. Et alors c'est quoi ça? Ah, ça c'est pour si on veut... Ok.
Est-ce que je prends Messi à la place de CR7? Parce que CR7 c'est bien gentil, mais il fait rien de ce que Messi pourrait faire. Sans toutes les scènes importantes. Seront joués avec CR7 quoi qu'il arrive, vu qu'on a eu des sets et des scènes avec Crush et tout. Vas-y, mets ton ruban, ok? Qui a mis le ruban de... Zidane, rend son ruban. Sérieux quoi? Rends son ruban à Messi. Sérieux toi? T'es un fou toi. Oh, mais si, son ruban quand même! C'est quoi l'autre truc qu'il apprend? C'est quoi son. Ah, Amulet Mook et Martim. Martim, c'est le nom de. De l'invocation? Ah oui, d'accord, ok, Martim, c'est le nom de l'invocation. Sacré, ok. Et c'est quoi Amulet Mook? On apprend quoi avec ça? On fait quoi avec ça? La puissance invisible de Mook vous protège, ok? MP plus 100, c'est bien, mais... On va voir ce que ça fait, hein? Canavero, miam! J'ai pas le temps! Arrête de faire chier! Crève, crève et crève, crève. Oh, faut arrêter, frère. Ah ouais, là, tu fais chier le monde. Hein. C'est bon. Heureusement que j'ai plein de tentes, hein. Tiens, Léviache. C'est quoi cette boule de feu? On dirait une lune, mais ce n'est pas ça. C'était rare à sa naissance. Hera, sa naissance? C'était la première fois qu'une planète voyait le jour dans cet immense univers. Et avant? Vois par toi-même. À cette époque, Terra était au sommet de sa gloire. Elle s'est surestimée en pensant pouvoir contrôler la longévité d'une planète. Son orgueil provoqua un drame après lequel je vins au monde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok. Allez, encore un boss! C'est quoi ça? Et attends, c'est le boss que j'ai niqué avec Canavero, non? Vous êtes dans le chaos terrestre Chaosium! Préparez-vous à mourir! Hades. Pour Canavero. Ok, mais Canavero est immortel. Tiens, une attaque sacrée, ça te dirait? Pas mal, pas mal.
châtiment. Oh là là. À nouveau. T'es obsédé. Écoute, si tu dois mourir, meurs après nous avoir donné Mother. Attends. Deux secondes. Je sais pas. Hades niveau 5. Ah, ça bute. Ok. Quoi? Vite, vite, vite. Ah ouais, c'est vrai qu'ils renaissent. Ils ont ce qu'il faut. Chaque heure, putain, ça va bien. Ok, c'est bon. Et Messi peut juste prendre un élixir. Allez, bye. Encore Shaker, mais tu sais, t'as pas compris que ça nous soigne. Ok. Et toi, Dan, qu'est-ce que tu nous fais? Si attaque cette merde. Toxique. Antidote. Aussi. Bah. Écoute, hein, ça marche jusque-là. Hein. Qu'invoque Moog. Hein. Et toi, Zidane, donne un peu d'éther à ton ami. Ça fait quelque chose? Ah putain, c'est pour qui? Hey, let's go! Mais vraiment, c'est tellement, tellement, tellement des pouvoirs de ponce. Des pouvoirs qui donnent la mort en un coup. Ah oui! Hop. Séisme. Chaque heure, bon, ça va soigner Zidane. Tu veux. Quoi? Ah oui, Zidane il est mort de. Ok, je vois de quoi il est mort. Fais renaître Zidane. Messi maintenant. Merci, au revoir. Caca, tu. Plutôt que de faire ça, t'aurais dû. Ah là là. Deux secondes. On va réfléchir. Non, c'est bon. Fais un René sur. Pas sur caca. Oh là là. Faut que je me calme. Ok. Fais un René sur Messi. Hades, c'est pour qui? C'est pour caca. Alors, ça veut dire que. Ah, il y a prêt de le faire maintenant. Soigne, fais ça si tu veux. Oui, ma vie, ranime, caca. Et toi, tu fais
quelque chose en sorte que... Bah... Est-ce que tu peux utiliser remède pour guérir cet homme? Je pense pas. Par contre, est-ce que tu peux... Putain, très fort. Il faut, même si Messi a un soin... un soin automatique... Il faut quand même se respecter un peu. Parce que quand il utilise Shaker, ça veut beau soigner Zidane. Ça fait pas plaisir à Messi. Hop. D'un coup, bah oui, parce que évidemment, on met une caca à la vie et l'ami Cannavaro, tu utilises un cycle pendant ce temps. Zidane, tu vas utiliser René sur Kaka et Messi. Là, va essayer de survivre au séisme et de soigner. Pendant que Cannavaro continue avec cycle. Toi, Kaka, tu... Je ne sais pas ce que tu peux faire, Kaka. À quoi tu nous sers? Allez, c'est bon, Hades. Parce que, évidemment, Kaka, tu vas servir à ça. Tu vas utiliser le René sur... Voilà. Et Messi, tu vas... Survivre à Shaker, s'il te plaît. Attends, mais Shaker, depuis quand? Depuis quand Shaker, ça fait des dégâts à Kaka? What? J'ai pas assez, j'ai pas beaucoup de... Okay. Déjà, depuis quand Messi meurt à des attaques? Évidemment. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh ben, on va utiliser un élixir sur Cannavaro parce qu'on n'a pas trop le choix. Et Cannavaro va utiliser Cyclone. Si elle peut, ouais. Kaka, tu peux ramener Messi quoi? Ah, c'est bon, il est mort. Let's go, Donzo. Eh ben, c'était particulièrement chaotique, mais on a quand même réussi à les buter. Let's go. C'était très chaotique. C'était même immensément chaotique. Ce qui est bien, c'est que... On peut utiliser des tentes. Grâce au cheat, j'ai pas des random encounters pour me faire chier. Ah! Y'a rien? C'est le début? Non, c'est l'univers. L'univers? Il existait déjà avant la naissance de Ura. N'aie pas peur. Si tu avances, tu approcheras la vérité. Avance. Facile à dire. Ah, on peut bouger Zidane, ok.
C'était pas dans ce sens-là. À présent, votre chère planète et l'univers qui vous ont vu naître ne sont plus. À présent, laissez vos souvenirs vous mener aux origines. Garland, qu'est-ce que t'appelles nos souvenirs? Pourquoi j'ai des souvenirs d'avant ma naissance? Pourquoi j'ai les souvenirs d'autres personnes? Garland, réponds-moi! Est-ce que tu es Dieu ou quoi? Beaucoup pensent qu'on ne peut avoir que de souvenirs de sa vie physique. Mais ce n'est qu'une idée. Ah, c'est les souvenirs des âmes et tout. Pour naître, il faut avoir eu des parents désireux de donner la vie. Mais on ne peut donner de la vie sans l'avoir reçue. Toutes les existences s'enchaînent. Si l'on remonte cette chaîne, on s'aperçoit que tout ne fait qu'un. Il en est de même pour les souvenirs. Toute vie comporte les éléments qui l'ont créé. Les souvenirs sont l'un de ces éléments. Les souvenirs n'appartiennent à personne. Ils progressent en s'associant les uns aux autres. Les souvenirs d'un instant concernent tout et tout le monde. On peut dire que les souvenirs évoluent comme les êtres vivants. Mais presque aucune existence ne peut saisir la nature des souvenirs. Ceux qui ne peuvent voir les souvenirs des autres sont ceux qui n'en comprennent pas la nature. Et si on remonte la chaîne, on arrive où? À celui qui commande à toute vie, à tout souvenir. Un cristal. Un cristal? Un cristal. Ah oui? À présent, continuez seul. Et abattez Kuja! Cette dernière prière a un coup amer pour moi. Zidane, je te confie le cristal. Adieu. Garland, où t'es? Garland! On m'a créé pour accomplir une mission précise. Je remercie mon créateur de m'avoir donné la vie dans ce monde. Le cristal? C'est ça le cristal dont parlait Garland? On va devoir trouver la vérité tout seul. On va se faire attaquer ici? Ah! Évidemment! Manquait plus que ça! Manquait plus! Que je perde la batterie! Exactement! Manette! Manette! Ah là là! Un grand classique! Au moins, c'est pas arrivé pendant le combat contre l'autre, là. Ah, on se fait attaquer ici? C'est quoi ce truc? Mais attends, mais c'est... c'est pas le boss qu'on a buté, là? Version cristal? Vraiment? Vraiment? C'est sérieux tout ça? Ah merde! Pas envie de dire, mais on l'a déjà affronté celui-là. Allez, bye bye.
C'est bon là? Tu t'es amusé? En plus, tu rapportes rien, sans déconner. Ok, donc amulette Moog tu as, mais j'imagine que Martim tu ne l'as pas. Ok. Martin. Ah mais non, c'est Martin genre le teint. Ok, d'accord, c'est Martin et avec le comme le cumin, le teint, etc. Ouais, faut arrêter avec ça. Faut être honnête avec soi-même. Arrête ça, s'il te plaît. Merci, au revoir. C'est bien, j'oubliais que Cannavaro pouvait ressusciter une fois par combat. Vraiment, je continue d'oublier ça, moi. Allez, soigne Cannavaro. Ah, parfait. Non, ça va aller. Hein? Kuja! Ah? C'est la fin déjà? Oh, mais qui voilà? Tu as donc vaincu mes quatre gardiens issus des souvenirs du cristal. Mais il est trop tard. Regarde autour de toi ce superbe cristal. Le premier cristal. Le commencement de tout. Tout est né de lui. Si je le détruis, tout disparaîtra. Hera, Terra, l'univers. Toi et tes souvenirs aussi. Tout. La ferme. T'as bousillé le monde pour ton seul plaisir. Je te le pardonnerai jamais. Je suis venu te le faire payer. Même si tu arrives à me vaincre, tu ne changerais pas le destin des deux planètes. Seul Garland pouvait les contrôler. À présent, l'IFA s'est emballée. Et la fusion de Hera et de Terra et Hera a déjà commencé. Bien sûr, toi et tes amis disparaîtrez avec elle. Alors que préfères-tu? La fusion des deux planètes en engendrera une nouvelle. Personne ne peut dire qu'elle ne créera pas la vie comme l'a fait Hera. T'as entraîné des innocents pour satisfaire tes ambitions. Veux-tu dire qu'un monde peut avoir une quelconque valeur sans moi? Mais si tu tiens tant à mourir, laisse-moi te présenter un nouveau compagnon de jeu. Allez, il veut faire comme Garland et m'envoyer son chien, là? Ah, attends, deux secondes. Oui? C'est quoi? Ah, c'est Bahamut... c'est Bahamut cloné un peu mal? Ou Météor? C'est pas de la merde, ça. Aïe. Ah. Mais si. Soigne, caca. Toi, attaque cette merde. Toi, mother. Et caca, tu stocks. Serre des monnaies. Oulolo. Oulolololo. Oulolo. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit mother, s'il te plaît. Mais nique ta femme. Ok, trans. Intrigue. Sulfura. Sulfura, vraiment? C'était combien de temps après Pokémon, ça? Les Urex. Pff,
Allez, allez. Un trick. Bon, au moins ça a fait les dégâts escomptés. Va affamer ta femme. Merci, au revoir. Il y a vraiment un truc qui s'appelle tabloïd, hein, Zidane. Mais t'as toujours pas utilisé Mother, toi? Mais bouge ton cul. Mais bouge ton cul. Oui, d'accord. Quoi, cette merde? Ok, c'est pas mal du tout. Allez, niveau 5, c'est pour qui? Évidemment, c'est pour Zidane. Ah bah... Putain, vraiment, tous les boss à la con, ils ont des capacités de merde comme ça, hein. Ouf. Ouf, Zidane avait la transe. Ouf, Zidane avait la transe, vite, bouge ton gros cul. Merci beaucoup. Tu utilises truand sur cette merde. Cyclone. Ouf. Ouf, 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 Zidane y a survécu. Mais putain, sans déconner! Ça c'est vrai. Je devrais plutôt utiliser du... Plutôt que d'utiliser vie, j'aurais dû utiliser Phoenix. Tant pis. Au moins il garde sa transe. Bordel de merde. Messi, utilise, invoque Phoenix. Merci. Ok. Vous avez donc battu Sulfura. Vous voulez donc m'abattre? Ouais, je l'ai battu, non sans mal. On va être honnête. On a peut-être dû m'entraîner, qui sait, hein. Ah super, hein, René. Attendez, attends, Kuja, Temps mort, Kuja, ok? Temps mort, s'il te plaît. J'espère que c'est pas comme Toho et qu'il faut pas... Merde! Ok. Ouh. C'est gentil de leur part de nous offrir un temps mort entre les combats de boss. Go. Après les gardiens, Sulfura. Serais-je le suivant? Laissez-moi vous montrer le chemin. Alors tout sera peut-être fini. Ok, c'est vraiment le dernier combat là? Ah mais c'est... je connais ce thème. Fouge-moi cette... Kuja en transe, ok. Boom. Atomium. C'est pas nouveau ça. Ça vaut quoi? Ça va. On survit. Ok, là, ouh! C'est un remix.
Ok, let's go. What the fuck? Messi. Elle a des sens de soigner Messi. Bon, par contre, ouais, t'as pas le droit à Mother, je suis désolé, Messi. Bizarrement. Méga atom. Allez, ça va être quoi ça? Pour tout le monde? Let's go, j'ai bien fait de... Heureusement que j'ai soigné Messi, hein. Heureusement que Messi est revenu à la vie, hein. Ah putain, c'est un boomerang, ça. Merde. Ouf. Au moins, ça lui fait des dégâts parfois. Quand même. Qu'est-ce que c'est que cette chiasse? Ah, oui, c'est... C'est littéralement ce qu'utilise... Sidéral, c'est pour qui? Yahoo! Là, c'est une supernova du pauvre. Cadabaro, ok. Eh oui, c'est sans compter sur Cadabaro et son pouvoir. Eh, ça y est, là. Comment ça? Et attends, boomerang à la base. What? Attends, voir. C'est quoi ce bordel? Parce que, normalement, boomerang... Boomerang, ça fait ça? Je crois que boomerang, tout ce que ça faisait, c'était bloquer un peu les dégâts. Et ça. What the fuck's going on? Aïe aïe aïe. C'est bon, on a survécu. That ain't good. That ain't good. Là, on est en train de se faire boire là. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre. Là, il a plus son pied. Quand même. Arrêtez de se foutre de la gueule du monde. Sidéral. Allez, pour qui? On va sur Zidane pour rigoler. Ah bah tiens, merci. Merci d'avoir attaqué le seul qui pouvait probablement survivre à un Sidéral. Maintenant, tu fais foudre. Ah. T'as enfin réussi à utiliser Mistral après je sais pas combien d'années que je te l'ai demandé. Ah vraiment, Cannavaro, pas au niveau. Hein. Je vais pas venir avec CR7 et Messi. Certes. Messi. Utilise Martin, tiens. Pendant ce temps, Zidane attaque-le comme ça. Aïe.
moi. Et merde, elle va utiliser Martin. Mais on est vulnérable ou à magie sacrée? Ah, il peut pas utiliser boomerang sur une invocation. Ok, très bien. Dégâts atomium, aïe aïe aïe. Préparez-vous les amis. Trans. Ah, c'est bien ça. Soigne Messi. Et soigne Cannavaro. Si c'est possible. Ok. J'aurais dû soigner Kaka, bon tant pis. Très bien. Kaka, Kaka, Kaka. Kaka, tu fais pas du tout ça. Tu vas pas utiliser une... ça. Mais attends. Et si j'utilisais des sorts à la con pendant qu'il a son boomerang, genre ça. Alors si j'utilisais... Non, je peux pas utiliser le sort de soin sur lui ici. Merde, allez, God. Ok, il a survécu grâce à Mother. Mistral. C'est bon, t'as de quoi faire. Magique blanc. Voilà. Et puis... C'est déjà pas mal, non? Ok, non, il a plus son boomerang, tant mieux. Les gars, Tomium, that ain't good. Ah, oh, ça fait chier. Il disait bien en plus qu'il allait mettre quelqu'un KO. J'avais même pas remarqué que Mother avait plus ses effets. Ah bah bravo. Ça va vachement nous aider, ça. Sidéral, c'est pour qui? Oh, mais t'as survécu. Ok. Ah, c'est tout tracé. Hop. Merci, au revoir. Hop. Elle dure très longtemps, sa transe, à Kuja, quand même. Hein. Il cheat. C'est pas... Moi, je suis pas le seul à avoir cheaté, hein. Si lui aussi... Moi, je vais sortir le sort de trance, hein. Attention. Je vais sortir le cheat de trance. Yeah. C'est bon. On a survécu. Cannavaro, elle est morflée. Zidane. Bon moment pour utiliser Mother. Mistral, de toute façon tu le lanceras dans 5 tours, ça nous fera pas de mal. Ah merde! Annule! Annule, Kaka! Annule! Putain! Mother.
Astral, on sait jamais. Bah ouais, mais bon, non en fait. Zidane. Ça va faire mal à Zidane, ça. CSC, totalement. Ça, c'est ce qu'on appelle un CSC bien... Bien 7-1 contre l'Allemagne. Ok, let's go. Putain. Ouf. Je vais bientôt mourir. Si je meurs, ma peur disparaîtra. Mais je ne mourrai pas seul. Vous partirez avec moi. Ultima. Ok. Le cristal, les autres. Vous étiez où, Crush, Wea, CR7 et Leviash pendant le combat là? Pourquoi on est toujours obligé? Il a tout cassé le singe ruche, c'est ça? Pourquoi on était obligé de les affronter à 4? On n'aurait pas pu y aller à 8? Où suis-je? C'est dans une autre dimension. Et je suis Darkness. Qui est là? La peur est présente. Cœur de toute créature dès l'instant de sa naissance. Vivre est cruel, soit. Pour survivre, il faut tuer et exclure. Vivre, c'est souffrir et connaître quotidiennement la peur de mourir. Quand l'inéluctabilité de la mort prend le dessus, la peur se réveille. La peur de mourir devient insupportable. Et quand on souffre de ne pas vouloir affronter la mort, on en vient à haïr la vie et à jalouser les vivants. On ne peut arrêter la peur de mourir. La seule solution reste de tout détruire. Kuja a été vaincu par sa peur. Il s'est convaincu que détruire le cristal, source de toute vie, le sauverait. Qu'est-ce que tu racontes? Comme c'est commode de dire ça! Toi aussi tu voulais connaître ta raison de vivre, non? Est déjà résolu. Toute chose dans cet univers est destinée à disparaître. J'attendais que quelqu'un m'apporte une réponse. Je l'ai à présent, et je ne peux pas laisser ce monde tel quel. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'avais qu'une seule mission. Ne rien créer, ne rien faire progresser. Empêcher le cristal d'émerger. Tout rendre néant. S'il n'y a rien, même la peur devient inutile. C'est le monde dont vous rêvez. Arrête de radoter. Tant que le désir de vivre existe, le désir de destruction est impardonnable. C'est de l'égoïsme. Survivre malgré la douleur est une preuve du désir inconscient de vivre. Lorsque la peur l'emporte, à l'image de Kuja, on choisit le chemin de la destruction. Ne progresse plus que pour détruire. Vivre pour détruire revient ne plus pas vivre du tout. Tout n'est que contradiction. Il est inutile de nier ses propres réponses. Tout est vérité et le néant est tout. Retour au néant. Il n'y a pas d'autre choix possible et c'est la prière de tout être vivant. Je te laisserai pas faire. On te prouvera que t'as tort en te détruisant.
et le souvenir de notre victoire sur la peur sera transmis aux générations futures. Alors on ne peut pas rester là, comme si tu nous avais vaincus. Alors, on doit rassembler nos forces. Même si on n'a plus de force, c'est pas encore fini. Tant que quelqu'un se souviendra de notre défi, nos vies et ce souvenir seront éternels. Et on sera vivants. On a tous un point de vie. Super. Bravo. Messi, beaucoup trop utile par rapport à CR7. Vraiment, Messi avec sa vie plus là. On est obligé de garder Messi. Tu ne dois pas échouer. Il te reste trop à faire. Je ne suis pas prêt. Je vous envoie mes sentiments de chevalier. Je te confie l'esprit du dragon. Prends-en soin. Bien sûr, il les donne à Kaka, ouais. Et évidemment, c'est CR7 qui va donner à Zidane, hein. Ce n'est pas grande chose, mais je t'offre ma force. La tour ? Ah ! J'aurais bien aimé savoir que j'avais ça. Putain de merde. Bon, de toute façon, on peut pas faire mieux qu'une Sorcane, je pense. On sait jamais. Masse druide. Comparé à Sirène Flûte qui est protégée de la force des sirènes. Neutralise vent. Bon, évidemment, ça de toute façon, garder son ruban pour avoir son invocation. Et ouais, vraiment? Pas mieux que ça? Ah, pas vraiment en vrai. Ok. On va y aller, hein. Je sais pas si c'est de la peur ou pas, mais on peut pas perdre. On y va. C'est ça, Darkness? Cette espèce de colisée?
Ah non, il y a un truc à l'intérieur. Mais ça se prend pour Bizarro Sephiroth ou quoi? Même carrure. C'est quoi ce truc de merde? C'est moche. Attaque ce truc. Hématome. C'est quoi cette chiasse? Bon caca. Bah pour l'instant, début tocaresque de Darkness. Ça se laisse bouger par Martin. Bon, il s'appelle vraiment Martin avec Tin quoi. Comme l'épice. Incroyable. Vraiment ça, il fallait l'inventer ça. Bon, c'est quand tu veux, Cannavaro, hein. C'est quand tu veux. Blindage. Météor. Attention. Aïe aïe aïe. Trans pour Zidane. Ça va chier. Bon, un Mistral pour dans 20 ans là. Après c'est des attaques physiques, les attaques de trans de Zidane, donc Crucifix. Ah! Ça se prend encore pour Supernova? C'est qui? C'est Messi. C'est Messi. C'est ça. Oh là 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 là. Les figeurs, merci. Okay. Bon, mais remettre, c'est trop tard. Mistral. Il a utilisé sa barrière. Aïe. Et même avec ta barrière, t'échappes pas aux bonnes grosses attaques des familles. Wait, 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 wait,
failli la blindage, pas barrière. Le truc qui protège les attaques physiques. Oh! Tokaresque. Ça vaut quoi ton hématome là? Ah. Et c'est pour tout le monde! Ah, il s'est mis les deux, ok. Transe pour Cannavaro. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec une transe de Cannavaro? Bouffer. Eh, en vrai? Non, il peut pas bouffer les boss. Ce serait très drôle qu'il puisse bouffer. Bouffer le boss quand même. Voilà. Non, non, vraiment, faut continuer avec les... Avec les... Les attaques... non, avec Mistral. On va continuer de se soigner, vraiment, on est obligé. Hein. Aïe. C'est pas gentil, ça. Aïe, de faire chier le monde. C'est Tokaresque, mais c'est pas grave. Pas terrible, hein. Putain. Quand il brille bleu, il résiste magie. Ok, ok, ok. Par contre, quand il brille quoi que ce soit, il résistera pas à intrigue. Et c'est là que Messi arrive et lui donne un peu d'éther. Pendant ce temps... C'est quoi déjà? Ah, c'est la vieille invocation. Comment ça, ça bute Zidane? Ouais, je préfère ça, ouais. La CX. Donc ça, Zidane, il survit pas. Ça soit un max. Ah, elle a utilisé son max sur lui. Ok, sa femme. Aïe. Vous êtes mort. Ok, très bien. Ok. Non, ok. Ok, ok. C'est pas grave. Quand tu vas pas nous rejouer tout ça? Si? Oh là 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 là! Bouge-toi! L'équipement contre les altérations d'état. Ouais? Je sais pas si j'en ai. Est-ce que j'ai des trucs genre ruban là dans FF7 qui protège totalement des altérations d'état? C'est pas hein? C'est avec ça? J'ai l'impression que j'ai de l'équipement qui fait quoi que ce soit. Hein. Bon. Boucle pure, ça fait quelque chose? Je crois pas. C'est pas. Cannavaro qui me fait chier parce que vraiment ces stats de défense là c'est Tokaresque.
Navarro, oula. Ou otra para mover el personaje. D'accord. Mec, Navarro, elle est à l'arrière parce que... De toute façon, elle a un rôle un peu support. Vraiment, c'est Zidane qui attaque de front et après... Voilà quoi. Allez, amenez-vous. Là, j'ai des trucs de merde, là. Un peu pourri, comme... Quoique, je sais pas, on verra au moment opportun. Si ça vaut quelque chose, les... Le solidarité de Zidane et tout, je sais pas. Allez, bouge-toi. On demande à quoi il est vraiment sensible, lui. Blindage. Ah merde, mais je vais Mima Samune ou la tour? Oh là là. Zidane. Moi je lui ai pas mis la tour hein. J'ai même pas. Ah putain c'est Masamune. Oh là 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 là. Alors qu'à chaque fois que je recommence je lui mène Masamune. Vraiment. Déjà commencé par lui envoyer des intrigues dans la gueule. Vraiment quand les boss là de cette zone, ils utilisent leur truc qui tue en un coup là. Qui provoque mort et tout ça. Oh, c'est vraiment waouh. Un peu du foutage de gueule. Bon, cela étant, pour l'instant on va juste utiliser Martin hein. Putain de merde. Désolé, je peux pas laisser la transe faire gâcher, bordel. Aïe. Ah. Ok, transe pour Cannavaro. Utilise un René sur Messi. Contre-attaque, youpi. Mais j'espère, ouais, non, ça utilise pas. Mistral, c'est bien, c'est bien, c'est bien, mais... C'est pas très terrible, quand terrible. Putain, carapace, okay. C'est pas... un problème. Ensuite, hématome pour qui? Pour Zidane. Sans max pour Zidane. Et ça utilise ton blindage. What? Ah oui, carrément. Hop. Ah
peut-être entre ça et donner un éther à... à Zidane. Donne un éther à Zidane. Allez, au revoir Cannavaro. Mais tu peux rester en vie. Vas-y, vas-y. Attends de recevoir ton éther, Zidane. Matome pour qui? Pour Kaka. Putain. Éther pour Cannavaro. Zidane. Tu sais ce qu'il reste à faire. Maintenant, mais Kaka, tu t'attends quoi pour te soigner? Ah ? Did you just fuck him? Did we just fuck him? Pourquoi nier ton destin? La vie est donc si importante. Did we just fuck him up? Did we just fuck him up? Est-ce qu'on vient de défoncer, là? Zidane, homme du match. Un peu. Pour une fois, Kaka a servi à rien. Pour une fois, Kaka a servi à rien du tout. C'est très rare, mais bon. Et je n'en ai pas fini avec vous. Ok. Je peux renaître à tout moment. Dans ce monde, tant qu'il y aura la vie et la mort. Bon, ce jeu ne déroge pas à la règle. À la fin d'un JRPG, une bande de potes se met à défoncer une divinité. CR7, tu vas bien? Oui. Zidane, regarde! Kuja avait raison. L'IFA s'est emballé. Que va-t-il se passer? Je crois que ça va barder. Après une telle explosion, il doit être... Non! Non! Capitaine! Attendez! Ils sont vivants. Où sont-ils? Là-bas. L'île de garde est le plus proche. Le grand là-bas. Hagen, à vos ordres. Mettez-nous en liaison avec l'île de garde. À vos ordres. Nous arrivons trop tard. Votre Majesté, un message en provenance de la Rose Rouge. Mettez-nous en liaison. Ici la Rose Rouge, ils sont vivants. Qui parle? C'est moi, Mikoto. Ici la Rose Rouge, ils sont vivants. C'est moi, Mikoto. Ils sont juste sous ton vaisseau. Comment? Une maladie. Ils? Atterrissons immédiatement. On est là. Il s'est pas cassé la gueule, Kaka, cette fois-ci. Île de garde 3. Ce bon vieux Cid est venu nous chercher. Hé, Cid.
Vous allez bien? Embarquez vite, c'est une question de minutes. Tout le monde pourra sauter? Bon, c'est une question de minutes, il se presse pas. Zidane, réveille-toi. Je suis pas tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Partez sans moi. J'ai encore un truc à faire. Hein? Kuja est toujours vivant. C'est comme Sephiroth à la fin de putain de FF7, c'est pas vrai. C'est... Zidane! Qu'est-ce que vous faites? Les vieux, je te confie ces R7. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Kuja est toujours vivant. Je peux pas le laisser comme ça. Pourquoi? Parce que vous venez tous les deux de Terra? C'est pas pour ça. Tu ferais bien de pas t'en occuper! Si on ne se dépêche pas, on ne pourra plus partir! C'est vrai, il a essayé de nous emmener avec lui. Et il a tenté de détruire ce monde. Il est impardonnable pour tout ça. Et si j'avais été à sa place, j'aurais peut-être fait la même chose. Et puis, est-ce qu'on peut l'abandonner comme ça sans rien faire? Même si on doit tous mourir un jour, c'est pas la peine de se dépêcher. Tu as peut-être raison, Miam. Mais c'est dangereux, Miam. Et alors? J'y vais. Mais... Il y a des moments où il faut savoir prendre des décisions. J'ai pris la mienne. Kaka, quand t'as accepté qui tu étais... Oui, oui, on a compris. Casse-toi, on va tous mourir. Kaka, quand t'as accepté qui tu étais et que t'as décidé de vivre, ça a été une décision importante pour toi. Mais non, j'ai pas réfléchi autant. Kaka, même si t'y pensais pas, tu nous as beaucoup appris. Tu m'as appris que ce que voulait dire vivre. Il serait indigne d'un chevalier de dragon de te laisser y aller seul. Un chevalier doit aider les faibles. Je t'accompagne, Zidane. Vous avez pas compris. C'est important pour moi, pas pour vous. Vous avez des choses à faire pour Alexandrie et Blumessia. Et Hélène Blum un peu aussi. Oui, mais... Vous saurez quand vous aurez une décision de ce genre à prendre. Et je change pas d'opinion facilement. Et puis je change pas d'opinion facilement. C'est ça? T'es vraiment stupide. Il a pris sa décision. Il ne changera pas d'avis. Qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous ou nous allons y transpirer! Désolé, mais je monte. Il a raison. Embarquez, vite! Zidane, si tu meurs, je te pardonnerai jamais! J'ai encore des bonnes choses à manger, Miam! J'aurai besoin de toi pour tout manger! Je pensais te connaître, mais tu es trop têtu. Nous nous reverrons. Zidane, c'est difficile de vivre. J'ai encore appris quelque chose d'important. Zidane. Princesse, dépêchez. J'arrive. Cersei, pardon, princesse. Pardon, princesse, vous m'envoyez désolé, et ma promesse de vous enlever s'arrête ici. J'espère que vous saurez ne pas m'en tenir rigueur. Ne vous inquiétez pas, je n'ai nulle raison de vous en vouloir. Il m'incomberait plutôt de vous remercier. Si vous ne m'aviez pas enlevé, je serais resté une personne insupportable, incapable d'agir par elle-même. Notre rencontre m'aura appris beaucoup, et m'aura fait découvrir le monde et toutes sortes de gens. Nous avons connu des moments difficiles, mais je pense aussi avoir énormément appris. Les souvenirs de notre long voyage seront pour moi de précieux trésors. Merci. Merci infiniment. Mais... Promets-moi de revenir.
Oula, plus simiesque que jamais, Zidane. Let's go. Kuja, tu m'entends? J'arrive, attends-moi. Tiens encore le temps. Ne t'occupe pas de moi. Va-t'en. Dis pas n'importe quoi. J'arrive, je te dis. Ah, il va vraiment venir aider Kuja. C'est beau. Je te comprendrai jamais. Allez, monsieur Zidane, il faut y aller. Là, ils se sont amusés là, avec le modèle 3D dans la map. J'aime. Il s'amuse vraiment avec le pré-rendu là. Ninja, bah il avait des trucs de ninjutsu en même temps. Il a appris le ninjutsu avant d'affronter Kuja. Donc franchement, j'y crois. Hein. J'ai sauvé CR7. J'y suis bien arrivé dans la forêt maudite. Les vieux FF Ninja, c'est l'évolution de voleur. Ah ! D'accord, c'est donc pour ça. Hé, hey, t'es vivant ? Zidane. Je t'avais dit de partir. Pourquoi es-tu venu? Il faut une raison pour sauver les gens. Tes compagnons sont partis. Hein? Oui? C'est de ta faute, bien sûr. C'est mieux ainsi. Il faut y aller, ça va devenir dangereux. Je ne mérite pas de vivre. Aurais-tu oublié que j'ai tenté de vous entraîner avec moi? J'ai tout perdu. Je suis devenu inutile à ce monde. Personne n'est inutile. C'est bien toi qui m'as dit qu'il fallait partir, non? Vous m'avez vaincu. Je n'ai plus rien à perdre. Mais je pense avoir eu un aperçu de ce que vivre signifie. Il est trop tard. Hein? Mais j'ai des rennais, t'inquiète pas. Hé hey, Kuja, c'est pas un coin pour dormir? Hein? On a battu littéralement le diable, la mort en personne. Tu crois qu'on a peur de quelques lianes? Vraiment? Kuja, je ne peux pas. Kuja, je ne peux pas dire que ce que tu as fait était bien. Mais tu nous as au moins appris à espérer. Et même si nous avons été créés pour de mauvaises raisons, nous sommes passés. Nous n'avons pas voulu oublier. Est-ce surprenant? T'as vaincu l'ombre de l'éternité, mec. Ouais. Nous voulons croire. Nous sommes sûrs d'une chose.
nous faisons partie de ce monde. Et c'est Zidane quasiment tout seul qui a buté l'ombre de l'éternité. À présent, le temps a passé. C'est quoi ça? Pourquoi il y a un aspect de ratio bizarre? C'est ça, Alexandrie. Est-ce pas au milieu de la route? Ça, c'est toi? Caca? Comment tu connais ce nom? Quoi? C'est moi, Puck! T'as oublié? Puck? Puck? Le prince de Bloomessia! Qu'est-ce que tu racontes? Si t'es pas caca, qui t'es alors? Moi? Je suis son fils! Oh putain! Oh oui, let's go! Plein de caca! La diarrhée! Ah! Y'a plein de caca! Y'a plein de caca! La diarrhée! Tous les jours, nous parlons de Zidane. Il est très important pour nous. Il faut qu'on y aille. Crash! Crash! J'ai hâte de revoir les autres! Alexandrie. Reposons-nous un peu avant de partir. Je sais plus quelle voix je vais donner à lui. Mais elle finit pas avec Wea? Ce pays revivra-t-il un jour? Avec vous, le temps n'a plus d'importance. Il y en est de même pour moi, Kreisch. Maître Fratley, merci d'être encore en vie. Nous pouvons encore retrouver nos souvenirs. Bah oui, va dans l'IFA. Ah merde, c'est vrai. Vivre n'est pas vivre éternellement. C'est ce que tu nous as appris. Il est temps pour moi de quitter cet endroit. Mes souvenirs reposeront avec ma fidèle épée. Quoi, tu vas mettre fin à tes jours ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ma mission est terminée. Adieu, Alexandrie. Mais tu vas aller où? Qu'est-ce que tu vas faire, Béate? Les séparations ne sont pas toujours malheureuses. Même éloignées, les... Hop. Salut. T'as changé d'avis? Tu vas à Alexandrie? Tu viens pas? Mais si, bien sûr! Hé, attends-moi! Pourquoi suis-je né? Pourquoi ai-je voulu vivre? Pourquoi né au masculin? Mikoto. Ah, let's go! Mais oui, t'étais là! La cuisine, c'est pas qu'une histoire de goût, Miam! Mais t'étais là au début, toi! Cannavaro? Il faut aussi mettre du cœur, Miam! Mais t'étais là, dans l'intro! Surtout quand c'est pour des amis! Il est difficile de ne faire que ce que l'on veut. Vous... Plus vite! On va rater le début de la pièce! Ne sois pas si impatiente! Nous avons envie de rattraper l'aérothéâtre! Avec mon nouvelle île de garde! Quoi? Tu t'en étais fier du nouvel aérothéâtre, vieux? Ahem! Hein, papa? Messi, qu'est-ce que tu as dit? Ils ont adapté Messi? Vous vouliez que nous devenions ses parents? Papa! Maman! Dépêchez-vous! Pourquoi ça coupe le texte? J'en sais rien! Redis-le encore une fois! Je sais pas pourquoi ça coupe le texte! J'appuie sur rien! Que dois-je faire quand je me sens seule? C'est la seule chose que tu ne m'aies. Que dois-je faire quand je me sens seule?
C'est la seule chose que tu m'aies... Et en fait, c'était pas Mikoto qui parlait. Béate, attends, tu pars? Ne me demande pas pourquoi. Ce n'est pas ce que je te demande. Mais... Je veux pas te perdre à nouveau. Le vierge. Je veux protéger Sa Majesté avec toi. Je suis très heureux de vous avoir rencontré. J'aurais voulu vivre d'autres aventures avec vous, mais... Nous arrivons bientôt. Alexandrie, ça fait un bail. Je veux dire, cette fois, va falloir bien jouer. Je ferai de mon mieux. Moi aussi, je ferai de mon mieux. Merci. À vous tous. Adieu. Je pars rejoindre les étoiles. L'aérothéâtre va bientôt atterrir. Je me souviens. Je vais revoir les autres. Mais... plus rien ne sera jamais comme avant. Alors, normalement, oui. La personne qui était là avant, elle est plus là. Je dois arrêter de pleurer. Je dois être courageuse. Mes chers spectateurs, la pièce que nous allons jouer devant vous nous vient d'un très lointain passé. L'héroïne de cette histoire, la princesse Cordelia, et son amant Marcus sont sur le point de faire quelque chose. La princesse décide alors de fuir le château Vamienne, mais ramène devant son père, le roi Lear. La pièce de ce soir commence alors que Marcus et Cordelia décident de s'enfuir ensemble. Et à présent, votre majesté, Dame Béate, capitaine Léviache. Noble assistant, c'est vous qui nous regardez du haut des toits. Je vous demande d'applaudir bien fort. Sir Marcus! Je brûlais de vous voir. Quand vous n'êtes pas là, je ne vis plus. Princesse, une pauvre créature telle que moi ne saurait vous apporter le bonheur. Ne m'appelez plus jamais princesse. Marcus, m'aimez-vous parce que je vais être reine? Il n'en est rien, n'est-ce pas? Quand une reine se marie, elle n'est rien de plus qu'une marionnette. Les marionnettes rient-elles? Les marionnettes pleurent-elles? Je veux être une personne simple, capable de rire et de pleurer. Je ne veux pas être de ceux qui vivent constamment sous un masque. T'as compris, c'est comme CR7. Vous avez donc tant réfléchi. Si vous acceptez de ne pas être reine, je vous envelopperai de mon amour. Laissez-moi devenir votre moitié. C'est cela. Dès demain, prenons le premier bateau. Oui, emmenez-moi où vous voudrez. Oui, partons. Ni la pluie, ni le vent ne nous retiendront. Pourquoi notre amour doit-il être si doux et si amer? Je ne me demande qu'à vivre avec celui que j'aime. Si je n'interviens pas, une nouvelle guerre éclatera. Je suis désolé. Mais je ne peux vous laisser ensemble. C'est vous, Cordelia? Oui, mais... Vous connaissez Marcus? Que lui est-il arrivé? Eh bien... Oh! FF9.
L'heure de notre rendez-vous est passée. Cordelia ne viendra pas. Même dans les décors, il y a deux lunes, parce que c'est la diégèse. Nous allons bientôt devoir partir. Peut-être que la paix régnera si vous embarquez seul, c'est ce qu'a dit Frank. Qu'allez-vous faire ? Elle m'a dit qu'elle ne pouvait vivre sans moi. Le ciel s'éclaircit à l'est. Le soleil ne baignera pas. Mais nous ne sommes pas comme ces oiseaux. Truc librement. Marcus, nous ne pouvons plus attendre. Nous partons. Nous ne sommes pas comme ces oiseaux. Nous ne galopons pas le ciel. Librement. M'aurait-elle trahi ? Non, Cordelia n'aurait jamais pu. J'ai confiance en elle. Ainsi, ma prière sera exaucée. Puisque le soleil ne nous bénit pas, je m'adresserai aux deux lunes. Oh, splendeur lunaire, entendez ma prière. Laissez-moi retrouver ma bien-aimée, CR7. What the fuck? Ils ont bien amélioré le maquillage. Ils ont bien amélioré leur maquillage. Waouh. Alors là, je me disais bien qu'il y avait un truc avec cette cagoule là, mais que ce soit carrément Zidane comme ça, ah ouais. Zidane t'imite très bien, Marcus. Franchement. Allez, laisse tomber cette chiasse. Laisse-le pour les voleurs. Quel jeu d'acteur, bah oui. Et là, Kuja, il va être là pour appeler. Bravo, Zidane. T'as fait exactement comme on voulait. Bravo, maintenant, pêche-la. Ouais. Les fils de caca. Cannavaro aussi, il y avait aussi Cannavaro. Allez, embrassez-vous, vous aussi. Let's go. Pourquoi on a été sauvés? On n'a pas été sauvés. On a voulu vivre. Pour rentrer où nous devions rentrer. Ouais, bah Kuja, il a aucun endroit où il peut rentrer. Hein. Pour ça, on a chanté cette chanson. Celle de CR7. La 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 la. What? Ah oui, bah oui, bien sûr. Ok. C'était bel et bien FF9. Ah, ça c'est la cinématique d'intro, ouais, c'est ça. Je vais dire, en fait, ce jeu, il est beaucoup plus constant que FF7. Ça, c'est indéniable. Parce que FF7, il a des hauts et des bas, vraiment. Après, je trouve quand même que les hauts de FF7 sont bien meilleurs que les hauts de FF9. Mais par contre, il n'y a aucun bas de FF9
qui équivaut à des bas de FF7. Hein. Vraiment, FF7, quand c'est pas bon, quoi. Là, vraiment, c'est très constant. Du début à la fin, franchement, c'est très cohérent. Et franchement, c'est très dur, je pense, de faire un jeu cohérent du début à la fin. Véronique Garcia ? Mais il y a des Français qui ont travaillé sur ce jeu ? Shout-out à Greg... Oh, Greg Lev ! C'est Lev Yash ! Là, il y a l'expérience. Ouais. L'expérience dans le sens, ils ont l'expérience d'avoir fait un jeu juste avant, ou tu parles de la mécanique d'expérience. Card Game Section. Ils étaient deux. Satoshi Ito. Attends, Satoshi Ito, non, c'est un modélisateur, donc c'est pas quelqu'un qu'on connaît. Vraiment, je suis très content d'y avoir joué. Franchement, c'est vraiment quelque chose. C'était vraiment sympatoche. C'était vraiment, vraiment sympatoche. Il y a pas un seul moment où je me suis dit. Bon, il y a certains combats, quoi. Le combat de con, là, avec le dragon à deux têtes, là, qu'on a eu tout à l'heure, là. Voilà. C'est peut-être un peu trop. Tu as peut-être aimé le 8, qui sait. Bon, le 8, c'est pas pour tout de suite, je pense. Hein. Déjà, on va prendre une petite pause. Et ensuite, je pense, la prochaine, ce sera Resident Evil 4, le remake. Je sais pas si c'est le genre de jeu qui t'intéresse, parce que t'as été venu pour les FF. Mais bon, il faut que je me le fasse en stream, le Resident Evil 4, le nouveau remake. Donc bon... C'est probablement ce qui viendra, ça me permettra aussi de tester du stream sur la série S. J'avais fait le premier, ouais, l'original. Moi aussi, j'adore le premier et l'original, franchement. L'original, c'est un de mes jeux all time. Un retour de Greg Lev, il est là, Greg Lev. Et oui, j'ai beaucoup d'attentes. Pour Resident Evil 4 Remake, j'espère qu'il saura au moins les satisfaire. Remake pas un jeu classique comme Resident Evil 4 comme ça, quoi. C'est pas si simple que ça. Sheva, let's go. Ça c'est pas Resident Evil 4, ça c'est le 5. Ah merde! Siomi, bravo pour les lyrics! Bravo pour la traduction, mesdames et messieurs! Furasato! Furasato! Le 5, c'est. Ouroboros will be released into the atmosphere, ensuring complete global saturation. Fameuse phrase de Wesker là. La Spragas, exactement. Alors moi je vais passer tout le stream à parler en faux espagnol de Resident Evil 4 là. Qui c'est qui m'a piqué ma sauce? Où est mon stylo? Efface de pin, imbécile. Vamos a los Spragas, c'est ça, exactement, ça va être de la musique. Sinon, il y a... Muere, 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 muere. Así, quiero matar. Un forastero! Et tu vas placer ton jeu d'acteur. Non, mon jeu d'acteur, attention! Je vais juste faire les imitations des Ganados pendant tout le stream, ça va juste être ça!
Je vais faire les sound effects de Leon Scott Kennedy aussi. Quoi? No thanks, bro. Where's everybody going? Bingo? Ah, mais en plus, il y aura une VF en plus. Il y aura une VF dans Resident Evil 4. Oh, ça va faire peur. Oh, entendre Resident Evil 4 en VF? Je pense pas que je suis prêt pour ça, franchement. Je pense vraiment pas que je suis prêt pour ça. Osmund Sadler en français, qu'est-ce que ça m'a donné, ça? C'est la seule cinématique où on a vu Cannavaro... on a vu Cannavaro en render. Ah, et ils ont bel et bien fusionné, Hera et Terra, au final? Qu'est-ce qui se passe ici? Hironobu Sakaguchi. C'était l'ellipse du... Du 6. Ah oui, Final Fantasy 6 avec Kefka, je connais. J'y ai pas joué, mais je connais. Fin. Ah! Et maintenant, il a mis la musique de FF7. Ah oui, d'accord. Maintenant, on joue à FF7, c'est ça? On va ramener LeBron. On va ramener Fatih. On va ramener... C'est la musique de tous les FF, ça. Ok, d'accord. D'accord. C'est le cristal thème. Ah. Et là, le cristal, on l'a bel et bien vu. D'accord. Le cristal thème. Je note bien. Je note bien. Qu'est-ce qui se passe? Concarno. Qu'est-ce qu'ils ont, Concarno? Oh merde, attends deux secondes. Ah merde, Concarno a dû perdre contre Pau, c'est ça? Ah merde, merde, merde. Là, il y a un mec que je vanne sur l'Olympique Lyonnais qui me parle de Concarno. Ah putain de sa femme. Ah merde, on a perdu contre Pau FC. Non! Non, c'est pas grave. Les séries ont une fin. Mais... ouais. C'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on va ramener Jean-Claude. On va ramener Sephiroth, le méchant surcoté. On va ramener qui? On va ramener... on va ramener... LeBron! On va ramener LeBron! Merde! On va ramener Joker. Et on va ramener Sayette. Même si elle s'était déjà réincarnée en Sina. On va ramener qui? On va ramener Penglao. Penglao et sa dramaturgie qui était partout dans ce jeu-là. On va ramener qui d'autre? On va ramener, ben, Eris. Enfin, non, non, elle, on va pas la ramener. Eris, je sais pas pourquoi. Ben, Eris, on va pas la ramener. Qui d'autre? Qui d'autre qu'on va ramener? Ah, Katoche! Katoche, évidemment! Ah, maintenant, j'arrive plus à faire la voix de Katoche. Trois petits points. Et oui, le pressing n'arrêtera jamais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, tiens, PSG a fait un partout contre Newcastle. Et Dortmund a battu Milan. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'oublie qui dans le casque de FF7? Penglao, ben Eris, Jean-Claude, Fatih Lebrun, Penglao Sayet, Ketchy, enfin Katoche, Jason Fly, Joker, et puis... Non, j'ai cité tout le monde. Non, Jean-Claude, Fatih, LeBron, ben Eris, Sayet, Penglao, Jason Fly, Joker. J'en oublie toujours, hein. Merde. Katoche? Ouais, je les ai tous cités. Si. Tous les coups. Ok, très bien, fin. On peut pas continuer? Ah si. On peut pas continuer, mais on peut continuer.
Très bien. Très bien. Bon, bah... Non, franchement. Franchement, vrai. Je pense que j'en garderai un meilleur souvenir de que FF7, évidemment. Déjà parce qu'on me l'a pas survendu, quoi. On me l'a bien vendu. Quelqu'un ici me l'a bien vendu. Et a su bien me le vendre. Et franchement, ça a répondu aux attentes. Par contre... ouais, non, c'était vraiment... Voilà. Contrairement à FF7, il n'y avait pas de méchants surcotés. Il y avait des thèmes cohérents du début à la fin. Qui sont d'ailleurs bien exploités, bien utilisés. Tout ça, tout si. Ouais, franchement. Ah tiens, qu'est-ce que c'est que ça? On peut voir les cinématoches et tout? On peut jouer à... The fuck is this? Comment ça, on peut jouer au poker maintenant? Tu as trouvé la fin indigeste? Ah, c'est Blackjack! Ok. Hit me. Aston. Ok, d'accord, on peut jouer au Blackjack. Quand tu l'avais fait, ok. Oh putain, il y a un Blackjack, ce bâtard. Double. Oh oui, évidemment la reine c'est Shiva. Double. Oh putain, merde. J'aurais pas dû stand, j'aurais dû hit, mais bon, ça, au final, ça a bien marché. Allez, hit me. Ok, à stand. Et merde! Ah oui, ils ont... Ah, ok. Ah, maintenant? Putain. Attends, je vais peut-être essayer quand même. Non. Allez. Et là, t'as tout des cinématiques. Ok, sympatoche. Dommage qu'ils aient pas mis du texte dans les cinématiques comme à la fin de FF7. Bah, non, franchement, je trouve la fin, elle prend son temps et elle prend vraiment le temps de bien conclure les arcs des personnages. Mais par contre, la question, c'est est-ce que Kuja est encore en vie? Est-ce que Kuja est toujours en vie parce que Zidane a fait son mieux pour le sauver et tout? Il avait l'air de s'être éteint dans l'IFA et aussi il avait l'air de pas être là quand CR7 et Zidane ils se sont réunis à la fin. C'est dommage pour Kaka, il a pas vécu longtemps. Mais bon, il y a plein de Kaka, on est trop contents. Il y a plein de Kaka, vraiment incroyable. Pauvre Branette. Non, pas pauvre Branette, c'était une ordure. Ok. Ouais. Non, vraiment. Ah, vraiment, I'm glad. Très content d'y avoir joué. Bon, comme les finales, hein. Ça prend souvent plus de temps que d'habitude. Et voilà, bon là... On va se reposer. Je vais essayer de bien faire marcher ma Surface Pro là que j'ai eu. Parce que là, ma Surface Pro là, elle fait un peu de la merde, vraiment. Elle est très décevante. Elle se met à surchauffer. Elle utilise Windows 10. Là, rien que ça, c'est décevant. Pourquoi est-ce qu'elle vient de s'éteindre là? Ah oui. Peut-être si je fais ça. Hop! Et puis, oui, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ok. Ouais, et... On espère, avec cette Surface Pro, si elle finit par arrêter d'être tocaresque, je vais pouvoir faire aussi des jeux de DS dessus. Parce que...
J'ai bien envie quand même de streamer. Justement pour continuer dans l'acting, hein, parce que les jeux qu'on va faire ensuite, si je dois faire Resident Evil 4 puis ensuite FF10, il y aura pas beaucoup d'acting. Donc, je pense vers les jeux de DS, il y en aura pas mal. J'ai commencé à jouer un peu à The World Ends With You juste pour voir si ça marche bien. Et franchement, il y a des scènes avec du voice acting, mais c'est surtout les scènes principales, vraiment, genre. La plupart des écrans du jeu, il n'y a pas de voice acting. Donc déjà, on va pouvoir un peu s'amuser avec ça. Et sinon, bah, il y a des jeux comme les Donjons Mystères aussi, que j'ai adoré à l'époque, que je suis bien chaud de refaire. Il y a des visual novels aussi sur DS, genre le 99, genre 999. 9 persons, 9 hours, 9 the doors, il me semble. Ce jeu, il apparemment, c'est du lourd. Je ne sais pas. En tout cas, on aura des choses à faire. Et ensuite, bah voilà. Mais d'abord, on va s'amuser un peu avec RE, avec Resident Evil 4. J'espère qu'on s'amusera avec ce jeu et que je vais pas finir par le détester. Mais ouais. Là. En plus, moi, j'ai été impliqué dans un accident aujourd'hui. Je devrais même pas être en train de streamer, là. Je suis vraiment en train de faire un effort surhumain. Il y a un mec avec une trottinette qui... Il a été nominé aux Game Awards, je crois. Oui, Resident Evil 4, bien sûr. Après, Last of Us aussi a été nominé aux Game Awards. Et il en a gagné je sais pas combien. Bon, faut arrêter à un moment donné. C'est une fraude, ce jeu. Les Game Awards, ils ont nominé Psychonauts 2 à 25 milliards d'awards, il en a gagné aucun. Alors que c'est un jeu grotesque, c'est un jeu décennie tiers. Vraiment, les Game Awards, je n'y crois pas à cette fraude là. Je pense qu'on va quand même... De ce que j'en entends, c'est ça va quand même être du truc sympathique. Tu as tué une trottinette... Non, c'est la trottinette. C'est la trottinette qui avait des freins foireux. Et il m'a niqué. Il m'a niqué mon garde-boue. Il m'a niqué mon garde-boue. Genre... vraiment tocaresque. Le type, il... J'étais sur ma bande cyclable, d'accord. J'étais sur la bande cyclable. Bon déjà, il y a un tocard, parce que je suis dans une ville de tocards et de chauffards, qui a décidé de couper sans même nous laisser passer. Déjà ça, voilà, j'étais obligé de freiner en urgence. Et lui, parce que lui, ses freins, ils marchaient pas bien, il est rentré, vroom, en plein dans ma roue. Je l'ai. Déjà, ça m'a un peu niqué le dos. Et bon, moi je suis pas tombé, j'ai juste été un peu secoué, tu vois. Mais j'ai vu le mec, à ma droite, il est tombé, et tombé à côté d'une plaque d'égout. Je l'ai vu tomber comme ça. Il s'est relevé. Et d'ailleurs, sympa de sa part, il a pour ainsi dire, il m'a aidé à retirer mon garde-boue, à essayer de le remettre. Et quand on a vu qu'il marchait plus, voilà, on l'a juste enlevé. Donc, big up à lui quand même. Je vais peut-être lui faire racheter un garde-boue parce qu'il faut pas déconner. Il faut qu'il ait des freins qui marchent. Ouais ben, ses clés étaient à deux doigts de tomber dans la plaque d'égout. Et j'ai dû lui dire trois fois, ramasse tes clés frère. Il avait même pas remarqué que ses clés étaient tombées de sa poche. Vraiment, il y a des gens dans cette ville, vraiment je ne comprends pas. Je ne comprends pas, ils ont vraiment appris le code de la route dans une pochette surprise. Mais bon, au final, personne n'est mort, personne n'est blessé, du moins je crois, enfin j'ai juste un petit mal de dos qui est un peu revenu pendant quelques temps. Et voilà, personne n'a rien perdu de grand, de bien important, à part mon garde-boue. J'ai le seum pour mon garde-boue, mais bon, voilà, il va falloir qu'on continue. Dans le nord de la France, pluvieux, sans garde-boue, je vais devoir mettre des habits... que je n'estime que très peu. Dilemme.
est-ce vivre que de trottiner sans garde-boue? Indulgence, je fais ce que je veux? Je fais ce que je veux, ça te dérange? Ça c'est la bagnole qui coupe la bande cyclable sans même regarder qu'il y avait des deux roues d'engagés, ça c'est bien ça. Ah ouais, tocarisme. Mais bon, c'est pas un accident de la route qui va arrêter le combat de Zidane contre son frère Kuja. Ça non. Et ce n'est pas ça qui l'a arrêté. Non, rien du... Non, pas du tout. Quel courage. Ah bah oui, j'ai pour ainsi dire, je suis rentré en transe après avoir subi des dégâts équivalents à 150% de ma barre de vie. Bon, eh bien, voilà. Voilà, ceci conclut les aventures de Zidane. Je sais même pas qu'est-ce qui se passe si je reprends, parce que la dernière fois, quand j'ai repris, c'était... Ah ! Mais c'est pas fini, wesh ! L'heure de notre rendez-vous est passée, Cordelia ne viendra pas. Nous allons bientôt devoir partir. Peut-être que la paix régnera si vous embarquez tout seul, c'est ce qu'a dit Franck. Qu'allez-vous faire? Elle m'a dit qu'elle ne pouvait vivre sans moi. Le ciel s'éclaircit à l'est. Le soleil ne nous bénira pas. Nous ne sommes pas comme des oiseaux. Nous ne pouvons pas nous envoler librement. Marcus! Nous ne pouvons plus attendre! Nous partons! M'aurait-elle trahi? Non, Cordelia n'aurait jamais pu. J'ai confiance en elle. Ainsi, ma prière sera exaucée. Puisque le soleil ne nous bénit pas, je m'adresserai aux deux lunes. Oh, splendeur lunaire, entendez ma prière. Laissez-moi retrouver ma bien-aimée, CR7. Ok, ça va juste être la fin en fait. Bis repetita. Bis repetita, hein. Ok, d'accord, ça continue pas plus. Très bien. Très bien, très bien. Heureusement que j'ai sauvegardé avant de m'en prendre à Kuja. Mais bon, le bonheur de CR7 et Zidane vaut bien le coup d'être rejoué. Latéral sur ce truc, merci. Elle m'a vraiment jeté sa tiare comme ça là. Bang! Aucun respect! Ah, il y a tout le monde, il y avait même Erin et tout. Il y a vraiment plein de monde qu'on a rencontré au fur et à mesure des aventures. Les bébés caca, c'est ça, oui!
Bravo les bébés caca. Let's go les bébés caca. Il y a Messi, il y a Cannavaro, il y a Crush, il y a Wea. C'est les seules fois où on voit ces trois tocards dans une cinématique rendue là. Beat et Leviash. Il y a des barons là de traîneaux et tout. Ok? Non, vraiment? Ah là. Après tant de difficultés. C'est quoi cette merde? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a Teams? Pourquoi est-ce qu'on me... Hop. Pourquoi on me force à utiliser Teams dans ce Windows 11 de merde là? Microsoft To Do, dégage-moi Office. Moi, franchement, j'ai bien envie de me prendre une peluche caca si ça existe. Franchement, j'ai déjà le t-shirt caca là que j'avais envoyé là. Maintenant, faut prendre la peluche. Love's Lost Refrain, ok? L'a acheté le t-shirt caca, oui. Alors là, par contre, tocarisme de la part de la Surface Pro, il n'arrive pas à... Ouais, mais je l'ai pris en fait il y a longtemps. Je l'ai pris il y a longtemps ce t-shirt là. C'est juste que c'est parce qu'il était en promo, il était à 4€ et tout. Et je trouvais sympa. C'est pour ça que je connaissais caca. C'est le seul truc que je connaissais de FF9, caca. Bibi quoi. Mais bon. Maintenant il ne s'appelle pas comme ça. Fut un temps, j'avais plein de... J'ai reçu plein de t-shirts geek comme ça là. Et je sais qu'il y en avait un autre de caca. Et je l'avais vendu parce que du coup, je connaissais pas trop. Après, il était moins ouf. Il est pas très ouf. Il y avait du texte et j'aime pas trop quand il y a des t-shirts, il y a du texte. Il y avait une petite bannière avec écrit le petit magicien noir. En mode, c'est le petit prince et tout, c'est rigolo. Maintenant, je veux une peluche caca. On verra si ça se trouve. Ah oui, j'avais remarqué, ils ont sorti la guitare carrément. Franchement, les effets spéciaux, ça date de 2001. Franchement, les effets spéciaux des cinématiques pré-rendues là, franchement, ça tient bien, hein, franchement, je trouve. Genre, ça fait pas du tout d'époque. Parce que parfois la 3D d'époque, c'est chum. Mais là, franchement, il y a de la production value et tout. Ça tient vraiment bien la route. Ça se trouve, FF10, ce serait encore mieux.
télécharger Krita pour ma... pour ma Surface Pro. Pas Kita, pas le Val de Marquita. Mieux que RE3. Il y a beaucoup. Ouais, après oui, c'est vrai que j'ai pas joué à RE3 l'original. Donc franchement, je ne sais pas. Par contre, j'ai joué à RE3 le remake. Plus jamais ça, c'était nul à chier vraiment. Et pourtant moi je suis fan du remake de Resident Evil 2. L'un des premiers jeux que j'ai streamé all time, c'était justement Resident Evil 2 remake. Parce que je savais faire du speedrun et tout. Allez, la Surface Pro, arrête ton tocarisme et installe Krita. Resident Evil sans Chris, c'est pas un bon Resident Evil. Resident Evil 4, c'est quand même quelque chose, hein. Chris! 7 minutes is all I can spare with you. 7 minutes is all I can spare to play with you. Chris! C'est 20%, non, 80% du script de Wesker dans Resident Evil 5. Chris! Krita, créer une desktop icon pour Krita, oui. Par contre, là, Resident Evil 4, si jamais ma manette se met à faire du tocarisme, ça va être un peu plus rédhibitoire que si ça se passe dans FF9, statistiquement. Léon est classe, bah oui, Léon Scott Kennedy quand même. Avec sa mèche là, avec sa chevelure. Il a la même chevelure que Zidane. Vraiment, on enchaîne là. Il y a vraiment un lien de cause à effet entre les jeux qu'on enchaîne. Bon, il faut déjà prendre Resident Evil 4 et déjà ça, ce sera pas avant la paix. Hein, parce que entre la Surface Pro, la machine Dolce Gusto, la Series S, le loyer. Les vêtements et tout ça, je peux pas vraiment me permettre d'acheter à tout va. Il y a peut-être la queue aussi. Faut demander à Ada Wong. Ada, elle doit savoir. Il a aussi le schlass de Zidane, même s'il n'en a qu'un seul. Ok. Ouais, le cristal thème, hein. Ok. Bon. Bah très bien. Très sympatoche. Melodies of life. Bon. Eh ben, la prochaine fois qu'on se voit, peut-être... on verra Leon Scott Kennedy dans un village d'arriéré d'Espagne. Là, il est plus que temps de laisser Zidane et CR7 se reposer tous les deux. Ils ont eu une longue et ardueuse journée. Une longue et ardueuse aventure, presque 40 heures. Allez. I'm out.